Ces ailes si lourdes et larges, pour de si petites épaules, tout cet espace ouvert devant eux, c'est comme des couteaux qui sont dans le dos. Assez simplement, la pièce raconte l'évasion, le départ d'une jeune fille dans un milieu étriqué, dans un milieu compliqué pour elle, irrespirable, étriqué, difficile, domestique. Elle est partie, et comme un brin de pain, l'espoir lui, et le soleil crève les nuages gris, sous lesquels elle voyage, vole, s'enfuit. Elles imposent leur féminité, elle est incontestable. Et leur jeunesse, elle est très énervante. Je suis la seule à ne jouer que Marie, donc je ne joue qu'un personnage, je joue Marie. Flavie Fontaine. Le dégoût, le dédain et la haine sont les rois mages d'une vie débarrassée de sentiments salissants. Bonjour, je m'appelle Marie Note, je joue dans Les couteaux dans le dos, je suis Clémence. Je suis le gardien de phare, je suis la grande couseuse. Le père, la conseillère d'orientation, la mort, une trolette, une gardienne de péage. Elle s'en est allée et ce sont toutes les routes qui s'ouvrent comme des fesses d'ange. Un air étrange l'enivre, enfin libre, elle sourit. Alors, je m'appelle Manon. Je m'appelle Manon. Je m'appelle Catherine Marquetti. Je ne suis dans aucun état, je suis dans votre bureau, pas dans un état. Dans aucun état, dans votre bureau. Vous n'allez rien me donner, dans quel état je suis. Non mais vraiment, on croit rêver. C'est une partition musicale en fait, véritablement. C'est-à-dire que le premier travail à faire, c'est ça. La musique, le rythme, les mots, en avant. On s'oublie complètement. Ça, bah, la musicalité, elle est complètement omniprésente. C'est très agréable de jouer de cette façon-là. Et quand il nous dirige, moi, ce que j'aime bien, c'est que parfois il nous tient la note, il nous emmène comme ça quelque part, et ça c'est vraiment très beau. C'est pas malin. Viens là ! Mais qui est con ce chien ? Oui, bah son écriture elle provoque le rire immédiatement donc. Ah, je m'enfuis, je suis partie ! Une crotte de lapin a roulé sur les billes qui m'empantent. En fin de compte, comme il n'y a pas de décor, c'est un théâtre qui est à nu, et en fin de compte, la lumière fait office de décor. Cette pièce elle appartiendrait à une couleur qui serait plus épique, qui serait une couleur un peu fantasque, un peu épique, avec des dizaines de personnages, avec des apparitions, avec des emprunts aussi. Beaucoup d'emprunts et beaucoup de citations. Elle est partie, à tout elle aura dit non jusqu'ici. Elle dira oui même si par ici. Ça fait un peu peur, un peu froid aussi. Elle dira oui, elle est partie. Et ce sont toutes les routes qui s'ouvrent comme des fesses d'ange. Un air étrange l'enivre, enfin libre, elle sourit. Elle est partie. Ce sont toutes les routes qui s'ouvrent comme des fesses d'anges.